vie vous est présenté par MMA. Raled a 41 ans. Atteint de poliomyélite, c'est à l'âge de 14 ans, alors qu'il est en centre de rééducation fonctionnelle, qu'il découvre le handibasket. Au départ, ce qui l'attire dans cette discipline, c'est l'esprit de groupe entre les membres du club. Au fil des années, Raled se prend au jeu de la compétition et ce qui n'était au départ qu'un loisir se transforme petit à petit en véritable passion. Ainsi, lorsqu'il part s'installer en Algérie, il décide d'intégrer le club de Constantine. Il enchaîne alors les victoires et son équipe arrive deuxième au championnat handibasket. À l'âge de 30 ans, de retour en France, il devient champion de France avec le club de Grenoble. Il y a 4 ans, il rejoint le CAPSA Lyon et se fixe pour objectif de participer au futur championnat d'Europe. Pour y arriver, Raled s'entraîne 2 à 3 fois par semaine sur des fauteuils spécialement aménagés pour la compétition, acquis par l'association CAPSA grâce à la fondation MMA. Un entraînement très intense, tant sur le plan physique que mental. Ce qu'il aime le plus, c'est l'idée de se surpasser, de lutter contre son handicap en montrant qu'il est capable d'être le meilleur à ses amis, à sa famille, ainsi qu'à sa femme, Mélanie, son plus grand soutien. Raled pourra continuer encore longtemps à pratiquer ce sport qu'il aide tant à se sentir bien dans sa peau, puisqu'en handisport, on peut être un athlète de haut niveau à plus de 40 ans. C'était Duo de vie avec MMA.